Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la série pour tricoter un chandail de A à Z. Alors aujourd'hui, on va lire le patron ensemble, on va se préparer, on va monter nos mailles pour commencer le chandail. Je vais vous donner mes petits trucs et astuces. Pour passer à travers cette étape. Avant de commencer, vous allez dans la boîte de description et vous inscrire à mon infolettre sur mon site web. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi devenir un membre de Clo Tricot sur YouTube pour supporter la chaîne. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le petit bouton "bouton s'abonner". C'est toujours un plus. Donc. Euh, j'ai ma laine, j'ai mon patron. On va commencer par regarder le patron rapidement. Alors moi, je l'ai imprimé ici. Habituellement, moi, je n'imprime pas mes patrons, je les regarde sur mon téléphone ou ma tablette. Mais évidemment, pour euh, faire un tutoriel avec vous, ça va être plus pratique de cette façon-là. Donc, si vous avez imprimé votre patron et que vous regardez ce vidéo, euh, idéalement, vous avez déjà acheté ou commandé votre laine. Ici, on demande, euh, on dit que le fil qui a été utilisé pour ce patron, c'est l'alpaca 2 d'Isabelle. Euh, disagères et euh, le nombre des chevaux qui euh, peuvent être utilisés pour les grandeurs. Donc les chiffres ici qui sont dans les parenthèses et avant les parenthèses euh, correspondent aux grandeurs qui sont ici en bas, les tailles 1, après c'est dans les parenthèses 2, 3, 4 et dans l'autre parenthèse 5, 6, 7, 8. Les parenthèses et les virgules sont là pour nous aider à nous guider, à diriger notre œil à la bonne place. Ici, on parle de circonférence de l'ouvrage fini, donc euh, 43 pouces et après ça, 46.75, 50.75, etc. Donc, euh, en lisant souvent le petit, euh, les petits commentaires dans la description du patron, c'est là où on va voir. Euh, la circonférence de l'ouvrage fini, laquelle on devrait aller chercher. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'intro, ici, on nous dit que ce chandail est conçu pour être porté avec une aisance positive d'environ 10 pouces, 25,5 cm. Donc, de l'aisance positive, c'est de la place, donc plus d'aisance qu'un chandail euh, qui n'est pas du tout un chandail qui est ajusté. Euh, de la façon dont il a été écrit. Ça, veut, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir de l'avoir ajusté comme ça dit ici. Certaines personnes préfèrent une coupe plus ajustée. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à sélectionner une option qui donne une aisance positive inférieure à ce qui est suggéré. Donc, à vous de voir. Euh, pour nous aider aussi, euh, à la fin, on a un petit. Euh, un petit... Dessin ici qui nous démontre où l'aisance a été calculée. Donc, ici, sous l'aisselle, la circonférence totale du chandail, si on a l'échantillon, va être ici. Ensuite, ça nous dit la circonférence des bras. Ça nous dit la longueur de l'aisselle à la manche, comme, comme le patron a été écrit. Et sur le côté ici, on a 4 pouces ou 10 cm pour le col. On a les mesures du, de, du, de, du de la base de l'encolure jusqu'à euh, sous les aisselles. Donc, si c'est quelque chose qui vous inquiète, la, la, la profondeur de l'encolure, vous pouvez aller mesurer ce que vous aimez sur un chandail à vous, déjà que vous portez. Ça peut être un chandail du commerce ou un chandail tricoté, et vérifier si ce que eux autres recommandent, c'est similaire à ce que vous vous aimez. Et ensuite. On nous dit quelle longueur de corps le patron suggère et quelle longueur de côte en avant et en arrière le patron suggère. Toutes ces choses-là sont assez, sont relativement ajustables, c'est-à-dire que les longueurs passées, les diminutions très faciles à ajuster, les longueurs ici très faciles à ajuster, la circonférence c'est assez facile à ajuster aussi euh, à partir d'en bas des aisselles donc si on veut faire des manches qui ne sont pas des manches droites, mais bien des manches qui commencent à diminuer, diminuer, diminuer tranquillement on va parler de ça rendu à ce moment-là euh, comme je l'ai dit au début dans la première vidéo, la longueur du col c'est quelque chose qui est facilement ajustable la profondeur du car du chandail ici de, de le, comment je, je dit tantôt de, de l'encolure dans le fond de l'empiècement c'est un peu plus complexe comme calcul, c'est faisable, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir espacer nos augmentations différemment si on aime la largeur mais qu'on n'aime pas la profondeur. Okay? Um, c'est un calcul qui va être un petit peu plus complexe parce que il faut calculer um, combien. Premièrement, combien d'augmentations on fait? Est-ce que le nombre d'augmentations suggérées par le patron nous convient? Est-ce qu'on va arriver à la bonne circonférence? Si oui, on veut garder le même nombre d'augmentations, mais on ne veut pas les faire au même, euh, à la même vitesse. Ça veut dire que des fois, il va peut-être falloir faire euh, une augmentation à chaque deux rangs, puis à un moment donné, passer à une augmentation par rang pour raccourcir. Ou au contraire, pour agrandir, il faudrait faire une augmentation peut-être à tous les deux rangs au début, puis après ça, une augmentation à chaque quatre rangs pour agrandir. Donc, on va y aller une chose à la fois. Euh, on va commencer par lire, choisir notre, notre grandeur, lire le patron, puis après ça, on fera ajustement si il y a. Donc, moi, j'ai fait mon échantillon. Je vous le trouve. Il est ici. Je l'ai mesuré, donc je l'ai lavé, séché, je l'ai mis à plat, je l'ai mesuré et par 10 cm, j'ai un échantillon qui est un petit affaire plus serré que celui du patron. Donc j'ai une maille par place et par place, j'ai juste une demi-maille de plus dans mon échantillon que, euh, que demandé. Ce qui veut dire que mon chandail va être un petit peu plus petit. Que la grandeur que je vais sélectionner. Et pour moi, ça me convient parce que les tailles sont faites très grandes et donc, même s'il y a un petit peu moins d'aisance, ça ne me dérange pas. Donc, un crayon ou quelque chose pour pouvoir savoir où est-ce que vous vous enlignez, c'est la meilleure façon pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, moi, ici, je vais faire la taille numéro 1. Donc, je vais juste l'encercler comme ça. Ce qui va me faire euh, un 110 cm et 43 pouces. Hein, C'est la même chose. Je sais que ça va être moins que ça. OK? Je sais déjà. Je sais pas exactement. Je n'ai pas calculé exactement de combien. Je pourrais faire une règle de 3 pour le, le, le connaître. Mais pour l'instant, ça ne me dérange pas trop. Donc, je reste comme ça. Ici, en haut, si jamais vous avez des questions sur la quantité, bien, ici, je vois que euh, si je n'utilise pas ces l'aine exacte. Ce que ça me dit ici, c'est que je vais avoir besoin de 990 verges, ça c'est des euh, mètres, je m'excuse, 990 mètres pour mon modèle à moi. Si vous prenez la taille 2 ou la taille 3 ou la taille 4, vous allez surligner cette grandeur-là. Donc ça va me prendre 990 mètres de fil super fin et 994 mètres de fil dentelle en mélange de mohair. Donc, c'est ce que j'ai pris. Si jamais vous faites un chandail seulement avec un, fil, un seul fil, donc un DK par exemple, euh, vous allez avoir besoin de 990 à peu près de cette laine. Donc, c'est comme je les tiens ensemble tout du long, je, je n'additionne pas les deux comme pour le métrage. Le métrage, c'est environ. 1000 mètres, mettons là pour, pour arrondir, de fil tenu simple. Donc, euh, comme ils disent ici, si on va modifier la longueur du corps ou des manches, on, ça, on va avoir besoin de plus. C'est toujours mieux d'avoir un peu plus que passer. Si vous êtes trop juste, peut-être considérer avoir une euh, un, un balle en extra juste au cas où, que vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre en, en balle tout de suite. Au cas où vous n'en ayez pas besoin. Donc, ensuite, ça nous demande les fournitures. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin d'aiguilles circulaires de 16 pouces en taille 4 mm ou une taille plus petite que la grosseur des aiguilles principales. Donc, quand vous avez fait votre échantillon, vous l'avez fait avec les aiguilles principales. Ici, l'aiguille principale demandée, c'est les US 7 ou 4.5 mm. Donc, si vous avez utilisé ça pour votre aiguille principale, ça veut dire que vous avez aussi besoin d'une aiguille de 4 mm. Mais mettons que vous, votre échantillon était bon avec une aiguille de 4 mm, mais vous allez prendre une aiguille de 3.5 mm comme aiguille plus petite. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, si jamais vous avez pris une 5 mm pour la taille principale, vous allez prendre une 4.5 comme aiguille plus petite. Ici, ça dit 16 pouces pour l'aiguille pour, pour les... Euh, les les côtes et les poignets. Évidemment, si vous avez plus grand que ça, c'est correct. Ça peut être des aiguilles plus grandes, vous allez seulement faire le, les côtes en magic loop à la place de les faire en rond. C'est correct, il n'y a pas de problème. Ici, aiguille circulaire, 16 pouces, 24 pouces, 32 pouces. C'est pas nécessaire d'avoir les trois. Si vous avez juste une 32 pouces, une 32 pouces comme je l'ai dit, vous allez pouvoir faire ici et ici du Magic Loop ou vous allez même pouvoir faire du Traveling Loop qui est le dernier vidéo tutoriel que j'ai euh, publié euh, pour comment tricoter en rond. C'est vraiment une belle technique quand on n'a pas la bonne longueur d'aiguille mais qu'elle est juste un peu trop grande. Donc pour la 24 pouces, si vous avez juste une 32, vous allez pouvoir faire du Traveling Loop pour faire. Euh, pour faire la section du chandail qui demande une 24 pouces. Okay. On a besoin de quatre marqueurs de mailles pour indiquer les débuts de rang et les augmentations aux épaules, donc les raglans. Moi, j'ai des marqueurs de mailles comme ceux-là. C'est pas cher et ça se trouve partout. Sinon, n'importe quoi va faire. Si vous, vous pouvez même utiliser un bout de fil, en faire un petit, un petit cercle. Ça va être bien correct. Ça peut être n'importe quoi tant que ça vous permet de garder une idée où, est, euh, où sont vos augmentations. Un porte-maille ou reste de fil pour placer les mailles des manches en attente. Donc n'importe quel fil que vous avez euh, chez vous va faire la job pour ça. Il y a vraiment. Euh, c'est absolument n'importe quoi. Ça peut même être du, euh, de la soie dentaire, ça peut être de la corde. Tant que c'est assez petit, euh, il n'y a pas de problème. Et une aiguille à laine pour rentrer les filles, fils. Les fils les fils, et évidemment un ciseau à la fin, hein? Voilà. Donc. Euh, on a lu par rapport à la taille, avec l'échantillon, j'en parlais dans le vidéo d'avant. Prochaine page. Ici, patron. Alors, côte, du col et des épaules, parce qu'on commence par le haut ici, donc on va faire cette section en premier, ensuite ça va descendre, ensuite on va se séparer pour les manches, on va faire le corps, et on, re on va revenir faire les manches à la toute fin. Donc, euh, ici, c'est là où je vais commencer avec mon crayon à venir marquer mes indications. Donc, moi, je monte 96 mailles. Je vais continuer à lire. Avec les petites aiguilles de 16 pouces, mon les 96 mailles, jointes pour tricoter en rond, pas tordre les mailles, placer un marqueur pour indiquer le début du rang. Et ça dit, que ça, c'est le début du rang. Hein, DDR, ça veut dire début du rang. Donc, ici. Rang 1, je ne vais pas toutes lire les instructions une à la fois. On, peut, on pourra le faire plus, de façon plus précise quand on arrive à cette section-là, mais l'important, c'est que dès que je vois des parenthèses, je marque. Parenthèse, OK. Parenthèse, ici. Oh, J'en avais ici aussi. que je vois une parenthèse. Je viens mettre la cou la, en couleur ou encerclé ce qui est pour moi. Ensuite, je vais continuer. OK, ici, on nous propose un tutoriel euh, en anglais, mais évidemment, moi j'en ai un aussi en français, donc je vous mettrai en lien avec la vidéo. Euh, C'est pour les euh, raccourcis à l'allemande. Donc, on continue. Ici, il n'y a pas de mention de taille, pas de mention de taille, pas de mention de taille, donc ça va. Je vais continuer à lire les instructions comme ça. Ici, en tricotant, oh, parenthèse, je marque. Ici, je marque. Ici et là. Pour l'instant, je lis pas en grande profondeur. Si vous lisez en profondeur pendant que vous faites ça, c'est le moment aussi de prendre des notes sur le côté ce que vous ne comprenez pas. Faites un petit astérix, écrivez ce que vous comprenez pas. Comme ça, quand ça vient le temps de poser des questions, quand à ce moment-là du patron, je suis là pour vous. Deuxième page, troisième page. OK, j'ai pas d'indication en parenthèse nulle part, ni ici, ni là. Oh, ici, j'en ai. Donc, comme ça, les endroits importants seront tous marqués. OK, ici, il y a des là, ici. J'espère que vous faites ça avec moi. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et mieux vaut être l'avoir fait d'avance. Moi, c'est facile, c'est le premier. Puis des fois, quand c'est facile comme ça, ben, on se dit on ne va pas le faire, ça ne sert à rien. Mais quand même, l'aide visuelle, ça accroche l'œil et ça aide. Bon, on est correct. On tourne la page ici. J'arrive comme ça mm -hmm. ici. All right. et les manches. Ok et à la toute fin évidemment j'ai des techniques. Déjà, quelqu'un m'avait demandé dans la première section, il est écrit A et la personne ne trouvait pas ce que ça voulait dire. Ils ne l'ont pas mis dans l'abréviation ici, mais il devrait avoir une petite abréviation ici ou ici en parenthèse RRA pour rang raccourci à l'allemande. C'est ça que ça veut dire dans le patron. Donc, on est presque prêt. Parlons un peu. De la laine qu'on va utiliser. Donc, euh, pour un chandail, évidemment, vous allez avoir plus qu'une balle de laine pour réussir à obtenir un chandail complet. Euh, moi, parce que je fais la plus petite taille, j'ai deux balles de fil dentelle euh, BFL, donc euh, Blue Face Luster, et j'ai deux balles de moire. Qui est aussi euh, grosseur dentelle et qui vont être tenues ensemble tout, tout le long du chandail. Donc, si vous avez, et je pense qu'on peut même le voir à la caméra ici, c'est subtil, mais c'est là. Si vous avez de la laine teinte à la main, même si vous avez le même lot, de la laine teinte à la main a toujours une, un risque d'avoir une différence entre les balles. Légère, mais présente, parce que c'est simplement le, la façon dont la laine prend euh, la teinture dans le bain. Euh, ça ne peut pas être exact. Donc, ce qu'on recommande toujours, c'est d'alterner les échevaux. Si vous avez comme moi deux échevaux, je vais juste alterner A, B, A, B un rang après l'autre, jusqu'à temps que j'ai fini mes échevaux. C'est assez simple. Par contre, si vous avez trois balles différente, euh, il va falloir gérer différemment votre, votre gestion de couleur parce que si vous alternez A et B et que disons que vous avez une laine C évidemment c'est pas du tout la bonne laine mais vous comprenez ce que je veux dire si vous avez une laine C et que là vous alternez A, B, A, B, A, B, A, B jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de A, B vous vous retrouvez avec C puis là C va être tout seul et c'est à ce moment là qu'il peut avoir euh, des problèmes, on va voir la, la, la différence quand on va changer pour la pelote C. Donc, dans ce temps-là, ce que je fais, j'alterne AB, AB, AB jusqu'à temps qu'il me reste à peu près la moitié de ma pelote A. Je vais couper ma laine A et je vais intégrer ma laine C et je vais faire B, C, B, C, BC, jusqu'à temps que B soit complètement fini. Qui normalement va me laisser la moitié de mon C et je vais pouvoir réintégrer mon A. Et je vais faire AC, AC jusqu'à temps que mon projet soit fini. Vous pouvez faire la même chose si vous avez quatre pelotes de laine. Vous faites AB, AB, AB jusqu'à temps qu'il reste la moitié de la première. Ensuite, BC, 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 BC jusqu'à temps qu'il vous reste la moitié de la deuxième. Euh, donc, jusqu'à temps que celle-là soit terminée. Vous intégrez la dernière jusqu'à temps que celle-là soit terminée et vous allez revenir à la première, la moitié que vous avez délaissée au début. Donc, c'est ma façon de gérer mes couleurs parce que je trouve que dans ce temps-là, il n'y a vraiment aucune euh, façon où je vais me retrouver avec une section de mon chandail qui est fait avec juste une pelote. Donc, c'est ça. Ça, ça maximise euh, l'alternance le, le, des, euh, des balles. Quand on va alterner les balles, euh, on va les alterner à chaque rang. Si on est en rond, donc dans ce patron-là, on est en rond et je vous montrerai quand on arrive euh, en aller-retour qu'est-ce qu'on fait. Donc, si vous avez si vous avez trois balles ou si vous trouvez que la différence est vraiment euh, pas visible du tout, vous pouvez décider de faire les côtes en une seule couleur et commencer à alterner après les côtes, c'est quelque chose qui est totalement possible de faire. Moi, je vais alterner le dès le début comme j'ai deux balles, euh, je vais être certaine de maximiser mes laines euh, et de me comme j'ai dit de pas me retrouver avec mettons le bas d'une manche avec juste une seule euh, laine. Donc je vais commencer à alterner dès le départ. Donc, gestion des laines, on en a parlé maintenant prenons notre aiguille donc ça nous dit euh, selon le patron déjà on a choisi notre taille tout va bien on peut passer au prochain ici patron on commence avec les petites aiguilles de 16 pouces donc si vous avez les petites aiguilles ça veut dire les euh, les plus petites des deux là parce qu'on a les euh, 3.5 mm et on a des euh, des 4 mm, euh, non, on a des 4 mm et des 4.5 mm, donc on va commencer avec les 4 mm. On nous demande une 16 pouces parce qu'on veut pouvoir travailler en rond. Par contre, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, si vous avez une, une, une aiguille avec un câble beaucoup plus long, vous allez faire le magic loop ou même le traveling loop que vous allez, vous allez regarder ces techniques là ici. Donc avec les petites aiguilles, on va monter, moi je vais monter 96 mailles et pour vous, vous allez regarder le nombre de mailles à monter. Joindre pour tricoter en rond en veillant à ne pas tordre les mailles, toujours super important. Placer un marqueur pour indiquer le début du rang DDR. Donc DDR, début du rang. Je vais, je vais vous montrer, j'ai déjà monté mes mailles. Presque toutes. Et je les ai montées sur une aiguille plus grande, puisque ben, c'est juste ça que j'avais sous la main à ce moment-là. Et donc, je l'ai monté sur une aiguille longue et moi, je vais faire euh, probablement du traveling loop pour euh, le col. Okay? Donc, j'ai monté en ce moment 90 mailles. Il me reste 80, il reste 6 à monter. Dans un patron comme celui-ci, ça dit monter. Ça dit pas quel type de montage on fait. Personnellement, pour un chandail, j'ai l'habitude de faire toujours le long tail cast on, qui est le montage à la continentale. Euh, une autre bonne option pourrait être le German Twisted Caston, le, le montage à l'allemande, ou vous pourriez faire aussi un montage tubulaire, puisqu'on fait des côtes 1-1. C'est vraiment à votre discrétion. Moi, je trouve que le montage Long Tail, c'est le plus simple pour moi, qui est très, très naturel, puis qui me donne toujours un, un montage qui est juste assez... Euh, il a juste assez de stretch, mais pas trop. Et donc, je vais vous montrer un peu euh, ce que je m'assure de faire quand je fais mon montage euh, à la continentale pour être sûr de... qu'il ne soit pas trop serré. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une distance entre mes mailles qui est assez constante. Et c'est cette distance-là entre mes mailles qui va euh, décider de la largeur de mon montage. Donc, quand je monte une maille ici et que je resserre, je m'assure de ne pas resserrer. Très proche de l'autre maille. Je me laisse un tout petit peu d'espace. Ok? Et moi, c'est rendu naturel, cet espace-là se crée naturellement. J'ai mon doigt ici, ça me permet de, de, de sentir mes mailles, puis de savoir que j'ai un bon espace entre mes mailles. Donc 3, 4, 5. Il m'en manquait 6. 6. Et maintenant, j'ai toutes mes mailles et parce que j'ai de l'espace entre ces mailles, ça va être assez euh, large pour passer ma tête, j'en suis certaine. Tandis que si mes mailles étaient toutes montées très, très collées les unes sur les autres, je n'aurais pas assez, assez d'espace dans mon montage. Un truc euh, que je n'ai pas fait euh, cette fois-ci, j'en ai vraiment, j'ai beaucoup vraiment de fil qui reste. Quand vous faites votre montage à la continentale, si vous êtes sûr, si vous voulez être sûr de ne pas manquer de laine, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre fil. Donc quand vous prenez votre fil à partir de la pelote ici, Assumons que je me fais un nouveau montage. Mettons, je prends ma, mon aiguille que je vais utiliser et je calcule comme suit. Je mets mon fil autour de mon aiguille et je vais, mettons, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime bien faire 10 tours. Et là, je sais que cette quantité-là de fil va me donner 10 mailles dans mon montage. Fait que là, je peux replier en deux. Et savoir que ça, ça serait 20 mailles. Après, ça replie encore 30, 40. Comme ça, vous pouvez calculer et vous assurer de ne pas manquer de laine au bout de votre montage. Parce que quand on doit monter plusieurs mailles, ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets où je devais monter 250 mailles. On ne veut pas se retrouver à la fin de notre montage euh, long tail avec pas assez de laine. C'est vraiment frustrant. <laughs> Donc, une fois qu'on a monté nos mailles, on joint en rond. Moi, je vais utiliser euh, un. Euh, traveling loop parce que j'ai des longues aiguilles mais pas trop trop longues euh, j'ai assez de circonférence pour faire le traveling loop donc je vais m'assurer que toutes mes mailles euh, font face à la même place et avant même de faire ça je vais les glisser le long de mon câble vers mon autre aiguille pour que ma maille qui n'est pas le bout qui n'est pas rattaché au fil soit sur mon aiguille ces techniques-là pour commencer en Traveling Loop ou en Magic Loop ou même en, en, en rond sans avoir ni Magic Loop ni, ni euh, Traveling Loop sont toutes sur mes, euh, mes vidéos YouTube, mes tutoriels. Donc vous pouvez aller chercher ça et les regarder encore et encore pour être sûr que vous comprenez bien la façon de monter et rejoindre en rond. Donc, je m'assure que toutes mes mailles font face à l'intérieur du cercle. C'est la façon que je préfère pour être sûr de ne pas twister mon travail. Comme ça. Super. Je prends mon fil. Je prends le bon. Je m'assure de prendre celui qui est rattaché à la pelote. Et c'est celui-là. Pour moi. C'est l'autre du chemin. Prends mon aiguille et commencer. Là, on me dit mettre un marqueur. Moi, comme je fais du Traveling Loop, si vous faites du Traveling Loop ou du Magic Loop, ce n'est pas nécessairement un besoin de mettre un marqueur parce qu'on sait exactement où est le début de notre rang. Et là, je ne commence pas à tricoter tout de suite. Il faut que je relise le, le rang 1, n'est-ce pas? Oups. <laughs> Pendant que mon... Je tiens mon câble à la bonne place. Bon. On est bon. Rang 1. Une maille en droit torse. Une maille envers répétée à partir de l'astérix jusqu'au début du rang. Donc, l'astérix est ici, ça veut dire qu'on fait une maille en droit torse, une maille envers tout le long. Donc, c'est des côtes 1-1 torse. Donc, quand je commence avec ma première maille ici, je vais venir la faire torse, c'est-à-dire que je vais rentrer mon fil, mon, mon aiguille dans l'arrière, dans le brin arrière de la maille et venir la tricoter comme ceci. Donc là, le premier rang, il est toujours un peu plus euh, raide. Tout va bien aller. Donc, un envers, un endroit torse, un envers, un endroit torse, jusqu'au bout du rang. On s'y retrouve, ça ne sera pas bien long. Donc, si vous travaillez avec deux brins, évidemment, assurez-vous de toujours bien attraper les deux brins. J'ai terminé mon premier rang. Vous pouvez voir que j'ai un gros trou entre mon début et, mon, euh, et euh, ma fin de mon rang. Ne vous en inquiétez pas. Tout va bien aller. Au prochain rang, ça va se replacer. Et c'est la raison pourquoi, euh, quand j'alterne mes échevaux, je ne vais pas commencer à alterner dès le premier rang. Je vais quand même faire deux ou trois rangs pour bien installer euh, mon euh, montage de maille et m'assurer que tout. Est en place puis qu'il n'y a pas de gros euh, trou ici avant d'instaurer la, euh, la nouvelle balle. Donc euh, je vais continuer euh, avec la balle numéro 1 pendant un autre peut-être deux ou trois rangs, puis là ça, on ne verra pas la différence quand je vais prendre la prochaine parce que c'est juste en haut, c'est vraiment juste quelques rangs. Donc, je m'assure encore une fois que mes mailles ne sont pas tordues nulle part parce que le deuxième rang est tout aussi important que le premier parce que c'est très facile d'avoir un twist ici dans le début sans s'en rendre compte. Donc, euh, assurez-vous que tout est bien aligné encore une fois avant de commencer le deuxième rang. Et quand on va commencer le deuxième rang, comme tous les autres rangs, on va s'assurer d'être vraiment bien proche, de tenir. Notre dernière maille, bien proche de notre première. Et là, j'allais faire une maille endroit, mais non, c'est une maille torse droit. Parce qu'on va répéter le rang euh, de côte 1-1 torse euh, pendant 4. Tu euh, vois -ce, qu ce que ça dit Le patron demande 4 pouces ou 10 cm de côte torse. Là, c'est la beauté d'avoir un câble plus long que d'avoir un 16 pouces. C'est que si on a un câble plus long, on peut essayer ce col quand on pense qu'on en a assez et voir si on aime donc je vous montrerai euh, je vais vous montrer quand j'ai fini de faire euh, mon col où il repose sur mon cou et sur mon euh, mes, mes, le début de mes épaules pour vous montrer euh, ça, ce que ça donne quand on l'essaye. J'ai fait trois rangs je vais maintenant commencer une euh, je vais intégrer ma balle numéro 2. Pour euh, alterner. Comme je suis sur des côtes, un motif, je vais alterner toujours au même point. Et pour moi, ça va être le point euh, du début du rang parce que c'est juste plus simple. Et aussi parce que dans le patron, quand on fait euh, les marqueurs après de mise en place des marqueurs, on réalise que euh, ça, les marqueurs indiquent les divisions entre les sections de la manche droite, avant, manche gauche et dos. Ce qui veut dire que notre rang commence avant la manche droite à l'arrière. Donc, ça veut dire que le changement de balle va se faire euh, à l'arrière, à la droite, dans le cou, qui est quand même un endroit assez euh, subtil. Donc, ça me fait plaisir de d'intégrer une nouvelle balle à cette place-là. Donc, euh, pour commencer, évidemment, je vais juste laisser tomber la balle 1 et je vais intégrer la balle 2 sans aucun euh, je ne fais rien de différent que euh, lorsque je commence une nouvelle balle de laine, là, euh, que je commence un nouveau projet. Je peux le faire à l'anglaise, juste pour. Euh, J'ai fait à la continentale depuis tantôt. Donc, je tiens ma balle et je commence à tricoter avec. Je m'excuse, vous avez le câble dans le chemin. Donc, je commence à tricoter avec, simplement. Et oui, ça va faire un petit trou, un espace où euh, la laine va. Euh, ouais. Il y a une nouvelle laine qui est intégrée. Donc, c'est normal que ça fasse un trou qu'on va pouvoir facilement refermer avec la, avec le bout qui est attaché à la pelote. Donc, quand on va rentrer nos fils à la fin du projet, ne vous inquiétez pas, ça paraîtra pas que vous avez intégré une nouvelle Laine à cette place-là. Et euh, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, à chaque début de rang, je vais prendre la laine qui n'était pas utilisée avant. Euh, J'ai pas de tour de passe-passe euh, compliqué. Je ne twiste pas mes laines. Je ne euh, change rien. Je fais juste laisser tomber la première et je prends la deuxième. Donc, je vous montre quand j'arrive à ce point-là. Comment je fais mon changement de laine pour qu'il soit le plus subtil possible. J'arrive au bout. Il me reste trois mailles. Ici. Et celle-là, vous voyez comment elle s'étire parce qu'elle est attachée à aucun. Euh, elle est attachée seulement à la pelote. Ne vous en faites pas. On va la tricoter normale quand même. On va lui donner un petit. On va serrer un peu la laine du dessous qui n'était pas attachée. Mais pas trop. Juste pour rendre la maille. Euh, la même que les autres. Si on serre trop, c'est là où on commence à avoir un décalage parce que par peur d'avoir une maille trop lousse, on se retrouve avec une maille trop serrée, ce qui n'est pas mieux. Donc, maintenant, je vais remettre mes aiguilles, euh, mes mailles sur mon aiguille. Et là, simplement, je vais laisser tomber la laine avec laquelle je travaillais. Donc, celle avec laquelle je travaillais, c'est celle qui est attachée à la maille qui est sur mon, mon câble ici, donc celle-là. Je vais simplement la laisser tomber comme ça. Et je vais prendre l'autre à partir du dessous. Donc, à partir de la gauche, en fait. C'est ça le plus important. Si je le prends à partir de la droite ici, je le prends par en dessous à droite, ça va faire un twist entre mes deux laines et ça va créer une jonction qui est un peu plus évidente que si je laisse tomber ma, ma, ma laine du haut et je viens prendre l'autre la, laine à partir. Ça, c'est celle qui est pas rattachée à nulle part. On va y arriver. Okay. Donc, venir prendre à partir de la gauche ma laine qui est dessous et commencer à tricoter. Donc, si je suis euh, tricoteur à l'anglaise, il faut que je passe par-dessus mon fil que j'utilisais pour venir chercher l'autre et commencer à tricoter. Et surtout, surtout, la première maille, ne pas trop la serrer. Parce que quand on va commencer à tricoter ici, et qu'on notre fil, comme ça... Si on tire beaucoup, ça va venir tirer sur la maille qui est en dessous de celle qu'on vient de former et la rendre plus petite. Donc on veut garder ça euh, la même tension qu'on aurait si on avait la laine, la même laine. Donc on, on tire pas plus, on tire pas moins. On fait juste s'assurer que ça reste égal. Et si, euh, si euh, on est des tricoteurs continentales. Et que notre laine est ici en dessous, je vais simplement venir la prendre par-dessous. Donc, je n'ai pas besoin de passer par-dessus. Je vais juste passer par-dessous euh, la laine et je commence à tricoter. Donc, euh, je vous laisse continuer comme ça. Je vous encourage fortement à essayer votre colle euh, quand vous êtes à quelques rangées. T'sais, vous en avez fait cinq, six. Essayez-le, premièrement, pour voir si votre tête passe, si c'est le bon. Euh, la bonne grandeur. Vous allez voir que au fur et à mesure qu'on fait les côtes, le, le col semble se resserrer un peu. Là, en ce moment, le col est tout sur nos aiguilles et donc il a l'air plus large un peu que ce qui va être en réalité. Euh, quand ça va débarquer de nos aiguilles, ça va resserrer un tout petit peu. C'est la, la fonction des côtes et c'est normal. Donc, si vous l'essayez, vous le trouvez un peu trop lâche, c'est correct. Tandis que si vous l'essayez, vous, le vous le trouvez trop serré, là il va avoir un problème parce que quand il va être sorti des, des aiguilles, il va être encore plus serré. Donc euh, une, un des, euh, une des clés du succès de faire un chandail à partir du haut, c'est vraiment de pouvoir l'essayer, l'essayer, l'essayer. Donc, si vous êtes sur des petites aiguilles, passez un fil pour pouvoir l'essayer. Si vous êtes sur des grandes aiguilles, c'est bon, vous pouvez essayer directement. Ou si vous avez des longues aiguilles, mais vous êtes sur des petites, tricoter un rang quand vous êtes sur les petites aiguilles, tricoter un rang sur la longue aiguille pour pouvoir ensuite essayer. Et après ça, vous pouvez retourner sur les petites aiguilles sans problème. Ou même si vous avez deux sets d'aiguilles, ça n'a même pas besoin d'être la même grosseur d'aiguille. Si vous avez une courte aiguille de 4 mm que vous utilisez, mais que vous avez une autre aiguille quand même courte, mais qui est d'une un, taille plus petite, genre 3 mm, vous pouvez quand même glisser, sans les tricoter, glisser la moitié des mailles sur une autre aiguille pour pouvoir ensuite passer le col sur votre tête. Donc, euh, on se retrouve. Euh, au moment où on va ensuite venir euh, diviser, faire la mise en place des marqueurs pour diviser pour le raglan et ça sera dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez jamais à me mettre des commentaires, c'est toujours apprécié. Euh, Mettez-moi des questions si vous en avez, écrivez-moi quelle laine vous utilisez. Euh, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et si vous voulez avoir, si vous voulez avoir une discussion avec les autres gens qui participent à faire ce patron avec moi, rendez-vous sur Ravelry dans le groupe. Clos tricot, on a une discussion pour euh, The Classic Cal. Donc, on se revoit très bientôt. Bon tricot. À la prochaine.